salut à tous, c'est Corentin le cycliste. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Tour de France encore. Ce sera sur un cambré. Pourquoi en vert, c'est pas en vert 8? Je vais vous l'expliquer après. Après ça, voir. En fait, j'étais en train de... J'ai fait la vidéo, mais la moitié a été publiée. La moitié a été publiée, pardon, si l'on voit pas. Oui, c'est vrai que j'ai pas bien mis. La moitié a été publiée donc. J'ai pas pu la publier du coup. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais échappée avec. Je suis attaquée dans le dernier col avant le mur de Huy. Avec Kwiatkowski, Rodriguez et moi, bien sûr. J'ai commencé à attaquer dans le mur de Huy. Kwiatkowski a craqué. Rodriguez a suivi, on a fini deux, j'ai gagné. Alors je suis maillot jaune avec Contador, j'ai pris 30 secondes sur Nibali. Voilà, vous avez les classements là de l'étape, si vous voulez on les regarde là. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Cliquez sur pouce bleu et cliquez sur vous abonner pour en savoir plus. Ça me ferait très plaisir. Alors cette étape, on va beaucoup la faire parce qu'il y aura des pavés. Et des pavés avec Contador, on sait que c'est pas son truc. On va essayer de le faire suivre Vincenzo Nibali. Et on va essayer, ça va y être dur quand même. Parce que Vincenzo Nibali, c'est un as des pavés. Un as des pavés. Depuis 2014. Depuis 2014. Très fort, pardon. Et samedi, vendredi, j'ai pas pu faire de vidéo parce que je dormais chez un copain, c'est Bichentin, ce que vous avez vu en début de vidéo. J'essaie de remettre bien la caméra. Cancellara, Tom Bowman et Degen Cole, le favori de cette étape. Moi, je vais prendre Contador, bien sûr, conserver le maillot jaune. Voilà, début de l'étape, je vais vous entendre le résumé. Vous faire entendre. Mesdames, messieurs, bonjour. Dans cette étape tracée entre la Belgique et la France, les coureurs devront franchir pas moins de 7 secteurs pavés. Autant d'obstacles que les favoris du Tour et leurs équipiers doivent singulièrement redouter. Voilà, on va mettre avance rapide. Vous avez vu quand même le classement de l'étape en vert 8, je pense. Alors on est maillot jaune avec Contador. Je pense qu'on a une minute d'avance ou 50 secondes sur Nibali. Sagan, on avait gagné le sprint intermédiaire. On était revenu à quelques points quand même de Kittel et de Cavendish, je crois. Bientôt le grimpeur. Là, ça va y être l'étape où on va jouer le plus parce que c'est les pavés. On va jouer 45 km environ. Parce qu'on a les pavés aussi à jouer. Avec Contador, ça va être dur de suivre Nibali. On va tenter. Même si en réalité, il avait réussi à suivre. Mais bon. On sait que Contador, il n'est pas très fort en pavé face à Nibali. Favori de l'étape. C'est la quatrième étape de ce tour. Attends, c'est qui va passer en tête? C'est Martine devant Francesca, Adrien Petit et Brandel. Après au sprint. On va le faire avec Sagan, le sprint.
pour essayer d'encore prendre des points. Et envers lui, si vous avez vu, on s'était échappé, vous avez pas vu, mais bon, on s'était échappé, quitté la, commencé le sprint. Nous, on a réussi à y être dans la roue. Et après, on a réussi à prendre premier du sprint. Essayer de faire des vidéos de plus en plus mieux. Bon, la qualité est assez bonne, peut-être un peu floue, mais on voit quand même bien. On a Contador, Sorensen, Basso, Kreuziger et Maika et Sagan qui sont en forme moyenne. Après, on a Rogers en forme, en grande forme, et Benati en. Et Kieserlowski en forme moins 3. Premier secteur pavé. On va pas le faire, il a 119 de l'arrivée. C'est beaucoup. On remet à 10 km du sprint avec, avec Sagan. Peter Sagan. Pour essayer de gagner ce sprint. Minutes 30 d'avance pour les échapper. Ça baisse beaucoup. Ça roule dans le peloton là. Ça roule. On va bientôt remettre pour prendre Sagan. Pour essayer de prendre le sprint intermédiaire. C'est bon, on remet. En 9 km, c'est pas grave. Kreuziger lâché. C'est bizarre là. Kreuziger déjà lâché, que ça roule pas très fort, je pense. Enfin, ça roule un peu, mais bon, quand même pas pour, pour le lâcher. Ça roule à 50, c'est pas très vite. Comment il s'est fait lâcher? Je ne sais pas. Et là, je ne peux plus perdre. Bon, quand il y aura ça, je vais vous laisser écouter pour que vous entendez quand même. Jungle me fait le signe de passer, soit que je ne vais pas passer. Vous avez d'ailleurs battu le record de l'heure. On doit accélérer, mais bon. On va tenter. Attention, Néa, on n'a pas passé le panneau 5. Il dispose d'une bonne pointe de vitesse, mais il est à la peine dès que la route s'élève un peu. Ah ouais, ça devient un peu ça. 5 km du sprint intermédiaire. De Gent là qui ferme son maillot. Qui va gagner le sprint intermédiaire? Ça a commencé le sprint, je crois. Randel, Francesca, Petit, Martins. C'est qui va gagner le sprint intermédiaire? C'est Francesca pour l'instant, attention. C'est Francesca qui gagne le sprint devant Adrien Petit, Martins et Mathias Brandley. Nous aussi, on approche du sprint là. Les coureurs de tête entrent maintenant dans la zone de ravitaillement. On va bientôt voir le panneau. Bientôt, le sprint va pouvoir commencer. On voit le panneau. Je commence en grand plateau. Et oui, premier du peloton avec Sagan. C'était chaud, mais on a réussi quand même avec Peter Sagan. Quitter le Greppel et Cavendish, ils étaient forts. Mais ils étaient pas assez forts, hein, que nous, avec Sagan.
même Egan Cole, il va falloir faire attention parce que lui, il pourra bénéficier peut-être d'une victoire à Cambrai puisqu'il est un bon sur les pavés, on le rappelle quand même. On prend Contador avant d'aborder les pavés, ces fameux pavés. Il faudra y être bien placé d'ailleurs. On est tout premier du peloton pour espérer peut-être ne pas lâcher. Avec Contador, on est maillot jaune, alors on est bien, très bien. Même. Alors, Thibaut Pinot, ouais. Ah, c'est vrai. Combien de l'arrivée? 55 de kilomètres de l'arrivée. On va commencer à remettre pour se placer avant les pavés. 53 de l'arrivée, ça va commencer à bouger là. Cette étape de 219, la plus grande de ce tour. Voilà, c'est bon, on prend Contador. Avant les pavés, 2 minutes 59, 3 minutes en gros pour les échapper. Je crois qu'on a fait un bon sprint là avec, Alberto Contador. Non, Peter Sagan, pardon, je me suis trompée. On a fait un bon sprint. Et là, c'est Chanté qui se moque. Là, les secteurs vont passer, vont commencer à s'enchaîner. Il va falloir commencer à se placer avec Alberto Contador, favori de notre tour pour nous. Les favoris avec Nibali, Froome et Contador, c'est les grands favoris de ce tour. Elle arrive encore à creuser l'écart. Vas-y Thomas. Attention, le secteur qui arrive maintenant est long de 1200 mètres. 1 km de ça, ça va être long. Bon, là ça commence à rouler dans le peloton à 60 à l'heure, c'est pas très vite. Mais bon, c'est pour lâcher de ses concurrents avant les pavés. Là il roule pour Degen Kolb, je pense. La Metz, Gex et Schickendalm. Les échappés se font reprendre là, ils vont 2 minutes 47. Metz, Gex ici, qui roule, qui essaye de lâcher ses concurrents, qui roule pour Degen Kolb, qui va se placer. C'est bon, on est dans les premiers pavés qu'on joue de ce tour. Deuxième de l'étape. Et là, c'est Cancellara qui essaye de s'échapper en petit plateau, qui arrive. On essaye de suivre, nous. Mais bon, ça va être chaud avec Alberto Contador, parce que déjà, on va lâcher dès le début. Vincenzo Nibali qu'on voit ici. Il ne faut pas perdre de temps sur lui. C'est quand même un grand favori pour la victoire finale. Et il est fort en pavé, il est très fort. Et Contador, pas trop. On va essayer de se replacer dans le groupe, dans le peloton. Tu vois, Nibali, il est là, j'avais raison. Voilà. On se remet là. Le Volder qui roule tranquillement à 46. Ça va pas très vite. Avant d'aborder le deuxième secteur pavé, Cavendish lâché avec Vichot, Yates, Martin et Boué, et Meyer et Osner. D'autres. Ça a déjà lâché, déjà craqué. Ce peloton qui est quand même assez grand. Encore, mais il y en a encore qui ont craqué. Ça roule pas fort là. Ça nous permet de reprendre l'énergie alors que Cancellara se met en tête de peloton. Je ne sais pas ce qui le prend, mais bon. Enferme-le. Enferme-le. C'est pas si facile que ça. On va essayer de perdre moins de temps. Ni Vincenzo Nibali, il faut suivre. Voir si on est lâché. On est lâché pour l'instant. Avec Alberto Contador, on est lâché. Il faut rattraper Nibali. Ce n'est pas concevable de le perdre. Ce n'est pas normal.
On devrait le suivre. Il faut réussir à le suivre. Parce que là, il est favori du tour. C'est lui qui devrait, qui a beaucoup de, qui est fort au pavé. Il faut revenir sur eux vite. On perd le moins de temps possible sur Vincenzo Nibali. On va essayer de revenir. Si on est presque, on est presque. C'est bon, on est revenu dans le groupe. On va encore moins vite alors que les pavés commencent. D'un autre secteur pavé. On va essayer d'avoir du rythme pour passer Tom Dumoulin qui roule en position contre la montre. Un peu d'élan pour ce secteur pavé. Parce que bon, on essaie de bloquer Vincenzo Nibali. Et ça roule pas très fort là dans ce secteur pavé. On va essayer de suivre. On n'arrive pas à suivre là avec Jean-Christophe Perossi. Attention, Vincenzo Nibali s'échappe. On a bientôt fini ce secteur pavé. Il y en a de plus en plus qui lâchent. Surtout les équipiers de John Degenkolb. On va essayer de revenir aux avant-postes de, là, de ce peloton de 12. Qui est pas beaucoup le peloton 154, pardon. On est beaucoup. Si les autres suivent, normalement je devrais pas me faire lâcher. Et après là on va commencer à se faire beaucoup lâcher. Et là il faut se reposer, il faut en profiter. Alors que les échappés à 1 minute 16. Et ça roule. Les équipiers de John Degenkolb qui roulent avec Schickel Dame, avec aussi devant Mesgeck et John Degenkolb, il n'est pas dans les premiers là. C'est bizarre. Il est lâché. Non, je pense pas qu'il est lâché, il est dans le groupe, c'est sûr. Ah, Barguil lâché avec Galopin, le petit français. Alors qu'on voit Francesca là qui était là, qui est lâché devant nous. On va bientôt rattraper alors que Benati en lance. Benati qui attaque dans le peloton. Et Vincenzo Nibali qui essaye de suivre. Qu'est-ce qui se passe? Ça se joue pas sur les pavés. Normalement, tout se joue sur les pavés. Attention, les deux prochains secteurs ne sont séparés que par un seul kilomètre. Un kilomètre, ça va être chaud là de suivre. On a bientôt plus de barres. Ça va être chaud alors que Benati fait n'importe quoi là. Il fait du n'importe quoi. On lui a même pas demandé de faire ça. On va essayer de se mettre. Mais là, c'est fichu. Cette étape est fichue, là. Oh, t'as écrasé le mec. Non, mais et voilà. L'ascension qui commence là, en côte. Pavé en côte, c'est bizarre. Et voilà, il s'attaque là. Ah, mais il s'attaque. Et Jean Degenkolb qui est venu aux avant-postes, qui suit. Et moi, j'arrive pas là. C'est très dur avec Alberto Contador. C'est vraiment très dur. Dernier pointage avec l'échappée. On va essayer d'en suivre quand même. C'est pas possible. Il se passe du n'importe quoi là. On n'a pas de chance, vraiment pas. C'est bon, on a essayé de remonter. Tu vois, on va essayer de reprendre, mais 1 km d'écart. Oh, t'as écrasé un mec. C'est des bugs. On va essayer de revenir au petit plateau. Énergie pour ce secteur pavé. Devant, ça roule pas très fort, mais on voit petit Adrien Petit et Martins là, devant, qui sont qui essaient de faire le trou, mais qui n'y arrivent pas sur le peloton. On a beaucoup de mal là, avec Alberto Contador. Si on rattrape le groupe, ça serait vraiment bien. Mais il fait du n'importe quoi là, Alberto Contador. Il va vraiment pas vite et que je suis à fond sur la gâchette. À fond. Ah, et il y a déjà Kotowski qui est maillot jaune virtuel de ce Tour de France. Et Nati qui faisait le fou et qui maintenant n'a plus d'énergie. C'est bien fait pour lui. Voilà. Il avait qu'à pas rouler avec son leader. On est loin. Si on perd un peu de temps, c'est pas grave. Du temps qu'on les reprend en montagne, du temps, ça me va. Les casques sont bien faits quand même sur le jeu, je viens de réaliser.
On est beaucoup lâché là. On n'a plus beaucoup d'énergie, plus de ravito. À 20 km pour l'arrivée, il va falloir récupérer là, sur la route. Je crois qu'il n'y a plus de secteur pavé maintenant avant le 13e kilomètre. Il y a celui de 3 km 200. Je crois qu'on a déjà passé. C'est le dernier ? Non, l'avant-dernier. Ah, on va rattraper le groupe, ils sont à 28 secondes. Alors c'est bien là, enfin je pense. C'est eux qui sont à 28 secondes. Ou deux boucheurs là, qui passent, qui fait un sprint. On va pas rouler parce que... Alexander Christophe. On va y être cuit, sinon... On a perdu beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. On a perdu beaucoup de temps aussi. Mais il ne faut pas le réduire à cela car il passe plutôt bien les côtes et les bosses. Et Grippel là qui passe. Qui passe, on va essayer de ne pas se faire laminer quand même. Ce serait dommage. On était 23e. C'est bon, c'est fichu là. Avec on a plus d'énergie. Oh, ton coéquipier. Thibaut Pinot qui n'a plus d'énergie. C'est rare de le voir souffrir. Voilà, 13 km, dernier secteur pavé, mais on n'a plus d'énergie. Alors, c'est fichu avec Alberto Contador. C'est totalement fichu ce tour-là. On a perdu beaucoup de temps, je pense. Mais Nibali qui n'est pas dans le premier groupe. Ça, c'est ce qui est bien. On va mettre avance rapide là parce que je ne peux plus jouer. J'y arrive pas. Fait quoi attaquer apparemment après Bichanté. Non mais regarde, tout à l'heure il a perdu toute sa barre d'attaque. Nous on est combien? On est 37e. C'est du n'importe quoi vraiment. Cette étape c'est... Ah Sagan! Sagan dans le troisième groupe. Je ne rêve pas, c'est mon coéquipier Sagan. Il va peut-être faire une belle place. Alors que Tambouman essaye de... sprinter, on va le prendre à la fin là, Peter Sagan, parce qu'on doit faire le sprint. Si il est dans le deuxième groupe. Il est dans le troisième là, Peter Sagan, quatrième maintenant. Cancellara se fait lâcher, Degen Kolb qui attaque, peut-être pour la victoire. C'est bien. On est 39e avec Alberto Contador maintenant, 37e. On va perdre beaucoup de temps avec Alberto Contador, 5 km de l'arrivée. Ce n'était pas possible, on n'aurait pas pu suivre Nibali. On n'aurait pas pu. On va essayer, mais bon. Attends. On va prendre Peter Sagan. Il n'a plus d'énergie. Ah, il n'a plus d'énergie. Ah, quel dommage. Quel dommage. Oh, c'est pas grave. Oh, c'était chier le sprint là. Oh. Oh, tu fais une bonne place, c'est 14e, c'est pas mal. Ah non ! Ah, qu'est-ce que je suis con ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas pris Contador. Ah, il fallait que je change avant la fin. Mais j'ai pas pu. Bon, ben on va le voir arriver, solitaire. Perdre beaucoup de temps sur Nibali. Je l'ai vu arriver. Je crois qu'il est arrivé. Il est arrivé là. Bernan à 5 km encore. Je n'ai pas. Ah, c'était une étape dommage. C'était une pas très bonne étape avec Alberto Contador. On a perdu beaucoup de temps. On va voir combien de temps on a perdu quand même. Les quoi? Elle est longue cette vidéo, je sais. 3 minutes. Voilà, c'est bon, on est maillot à poids encore. Mais le maillot jaune, on l'a perdu. Perdu, ça c'était sûr. On n'allait pas le garder. Hein. Alors, c'est qui a gagné? Nibali. Nibali n'est pas dans les 10 premiers. Top 10. C'est une bonne nouvelle. Attends, on va voir au général la précise nos distances. Si on a encore du temps sur lui. Ripple qui fait 4. Nibali qui vient à 1,58. Et nous, on est à
4 minutes. Alors, au général, il nous devance 6e Sagan, 17e Contador et Nibali. Oh, t'as perdu beaucoup Nibali de temps. Nibali et 3e. Putain, et voilà, c'était.